Salut à tous, c'est Amine et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va comparer la villa, la maison la plus chère de GTA V vs la villa la moins chère de GTA V. Parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. En fait hier, vous avez vu ma vidéo garage, j'ai comparé un garage à 100 000, enfin 10 millions vs un garage à 0$. Je me suis dit mais attends, une villa, la villa la moins chère de GTA, elle ressemble à quoi? Et la villa la plus chère, elle ressemble à quoi? Et bah tout simplement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et je suis accompagné de Myriam. Comment vas-tu Myriam? Ça va, tranquille, et toi? Tranquillement, voilà, nous sommes en présence féminine. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche si c'est pas déjà fait, à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Comme d'habitude, c'est comme d'habitude, à chaque intro, c'est comme ça, c'est comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous voulez que je compare d'autres choses sur GTA V. Voilà, c'est une petite série qui est en train de prendre forme où je compare plein de choses et ça plaît. Et puis ça me plaît aussi à moi de tourner parce qu'en fait, c'est moi qui. Enfin, je connais GTA V et tout. Mais du coup, je sais pas à quoi ressemblent les trucs. Ou des fois, par exemple, quand je vais comparer telle ou telle chose, bah du coup, je sais pas à quoi ça ressemble. Donc en fait, je découvre en même temps que vous. Comme là, je vais découvrir en même temps que vous la maison, la villa, la moins chère de GTA V. Donc c'est celle-ci. Donc pour l'acheter, vous allez tout simplement dans. Bah ici en fait vous allez là. Hop, vous allez dans Dynasty, voir les propriétés. Vous êtes trié par croissant et vous avez en fait bah, le prix du moins cher au plus cher. Et puis après je crois que celle-là elle coûte 130 000$. Donc la maison la plus chère elle coûte 130 000$. Après vous avez des appartements à 80 000, mais c'est pas des villas. Donc, je sais qu'au début je me suis dit ouais, est-ce que je fais des appartements? Peut-être qu'il y aura une vidéo sur les appartements. En tout cas n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je compare. Voilà, c'était celle-ci, elle était juste après là. Vu que je l'ai acheté là, elle s'affiche pas. Mais elle était là, juste après celle-là, voilà. Elle était là, à peu près, 130 000. Voilà, voilà. Bah écoute, c'est parti, on va rentrer dans la maison. On va voir à quoi ça ressemble. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ok. Parce que bon, on avait vu l'appartement, souvenez-vous, dans la vidéo 24 heures riche. Entrée... En bas, entrée... Je rentre avec toi. Mais en fait, ça va, elle est belle. Franchement, elle est belle. Y a rien à dire, elle est pas... C'est une belle maison, après on va voir comparer à la plus chère comment c'est. Ah. Ah. Elle est belle, mais dedans. C'est ouais, vite fait, c'est... quoi. Hein. C'est pas. Ouais. Ouais. Attends, mais c'est pas la même que l'appartement 26. Si. Si, non. Si, c'est ça. C'est celle-là. Pas fou, ouais. Hein. Ouais, c'est celle-là. D'accord, ok. Donc en fait, c'est. Ouais, c'est pareil que. Ok, bah je vous fais un petit tour du coup, vu qu'on avait déjà vu, bon pour ceux qui n'ont pas vu, qui découvrent la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais mettre comme ça. Donc on a bah, déjà la petite entrée séjour, donc apparemment c'est une cuisine ouverte. Donc petite cuisine ouverte, voilà. Donc là on peut boire de la bière il me semble, ici qu'il y a la radio aussi ici je crois. Voilà, des petites bougies. Par contre pour 130 000$, je trouve ça que dommage qu'en fait Rockstar... quand tu achètes un appartement à 80 000 et que tu achètes une maison à 130 000, donc tu mets 50 000 de plus, au final tu as le même intérieur. Je trouve ça vraiment dommage de la part de Rockstar quand même. Mmh. Voilà, bah, la table ça reste la même que l'appartement. Bah ouais, bah, t'as ça. Ah, je vais me tirer une petite. Je vais me prendre une petite douille là. Oh oui, j'en ai là. Vas-y, prends, tire un coup, vas-y Myriam. Attends, laisse-moi tirer. Attends. Waouh. La ganja. Vas-y, à ton tour. Attends, je te laisse la place, t'inquiète. Wow. Vas-y. Il n'est pas bien mon perso, vas-y. Prends un petit truc. Hein. Wow, attends. Hey, ça m'a activé un mode bizarre. Je suis drogué, je crois. Je suis drogué. Vas-y, attends, je me c'est de la bonne, ouais, elle est bonne, hein. Elle est bonne, hein. C'est de la bonne. Ouais. Oh, purée. Il y a la télé, la télé de 1930. Du coup, on peut voir à quoi elle ressemble, voilà, la télé. On a un magnifique écran plat pour 130 000$. Alors, franchement, Rockstar, je pensais pas que c'était pareil, quoi. Et du coup, je découvre en même temps que vous, tu vois, là, c'est vraiment de la découverte totale. J'ai été sur le site, je l'ai acheté et c'est dommage. Donc ça, c'est la salle de bain, pour ceux qui se souvenaient plus à quoi ça ressemble. Voilà à quoi elle ressemble, la salle de bain, du coup. Avec la douche, ma foi, designement dégueulasse, dégueulasse. Ensuite, on a la chambre. On peut changer de vêtements, voilà, hop. Tenue, haut.
peut mettre tout ce qu'on a acheté en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas de télé, non. Voilà, pour se mettre au lit, on peut dormir. Je vais m'installer pour voir si c'est confortable. Vas-y. Ah ouais, ouais, tu peux pas dormir à deux dessus, tu penses? Non, je pense pas. Et comment on fait si on veut faire l'amour? Je peux pas, je sais pas. On peut pas? On est obligé de prendre des sur GTA 5 pour faire là. On est pas, on peut pas faire entre nous tranquille quoi. Non, on peut pas. C'est dommage. Ouais. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour de la maison. On va sortir. On va aller voir quand même le garage parce qu'on a un garage compris avec deux places. Garage deux places. J'espère juste que c'est pas, tu vois. Ouais. Je pense pas que ce soit bien. Voilà, donc la maison se situe ici. Et apparemment, on a vu sur l'océan. Je sais pas d'où. Ouais, si, par là. On monte par balcon ici. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, et là, on a une petite vue sur l'océan tranquille. Ouais, c'est. Non, franchement, c'est agréable, on va dire. C'est agréable. Le garage, deux places, apparemment. Ça va. Ah bah ils m'ont transféré la voiture. Du coup voilà le garage. Bah il a pas changé en fait, c'est le même code que d'habitude. Ah, c'est quoi ici? Ah ouais d'accord, on peut rentrer dans l'appartement d'ici. Ah c'est pas mal ça, je savais pas. Ok, je découvre des trucs. Alors que ça fait 5 ans que je joue à GTA 5. Eh bien écoutez, on va aller visiter du coup l'appartement le plus cher de GTA 5, la villa la plus chère. Et on va l'acheter ensemble parce que je ne l'ai pas encore acheté. Donc on va l'acheter ensemble, on va découvrir ensemble comment on achète. Parce que la première je l'ai acheté mais sans vous montrer parce que j'ai acheté en solo. Donc là, je vais mon téléphone si je suis comme ça, voilà, prendre des photos. Juste prendre une petite miniature, hop, voilà. La maison là, hop. Viens à côté de moi. Ah, franchement, elle a de la gueule. C'est une belle maison américaine. Alors, la maison la plus chère, la villa la plus chère de GTA 5, c'est parti. Découvrons ça ensemble. Donc, par ordre décroissant, c'est bon, c'est fait. Donc, on a les appartements 1 million et la villa, elle est ici. Voilà. Donc, c'est celle-ci. 800 000 dollars. Bienvenue dans les hauteurs de Wynwood. Moyen acheté 120 disponible en truand en col blanc. Donc ça c'était quand il y avait le DLC justement truand. On nous avait mis cette magnifique villa que je vais acheter. Voilà, hop, j'ai une place en plus, c'est parfait. Et bah voilà, c'est parti du coup, on se fait une petite coupure, on se retrouve tout de suite pour la villa la plus chère. Ok, c'est parti. Let's go to the party. La villa la plus chère de GTA 5 qui se situe en ville, on va faire un peu de Wing Suite pour y aller forcément. Bon, pour la beauté j'ai envie de dire. Hop, j'ouvre mon parachute. Donc la maison la plus chère de GTA 5, la villa la plus chère de GTA 5 se situe juste ici. Oh shit hein, pas mal du tout. J'arrive. Donc 800 000 dollars pour cette villa avec piscine. Je vais voir si je peux plonger dedans. Pouh, plongeur dans la piscine, magnifique. Donc voilà à quoi ressemble la villa la plus chère de GTA 5, j'ai envie de dire. Ouais. T'es où là? Je suis en haut. Je vais tomber. Ah ouais, la meuf qui sait pas faire de Wing Suite. Waouh, j'ai raté. Waouh. Oh non, mais en fait, j'ai atterri trop tôt en haut. Du coup, j'ai pas pu descendre. Mais j'arrive, je suis là. Vas-y, je te fais rentrer de l'un côté. Vas-y. C'est parti pour visiter la villa la plus chère du jeu. Alors, j'ai hâte de voir comment c'est. Hein. Parce que je l'ai jamais acheté de ma vie. Hein. Moi non plus, je crois. Ouh, attention. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, c'est même pas de la bière, c'est du vin qu'on nous a proposé, je crois. Là, du vin. Ouais. Magnifique. Ouais, franchement, très très belle. Bon, déjà, juste la cuisine. On voit qu'on a du jus, on a du vin. Je vais boire un petit verre de jus. Allez, moi je bois pas d'alcool. Je bois du vin. Un petit peu de. Non plus. C'est du jus de quoi? Ça, c'est du jus de kiwi ou quoi? Ouais. On dirait du. C'est pas du. Oh. Ça a pas l'air très. On dirait du kiwi. Ah ouais, le salon. La
le petit étape de réunion, j'ai envie de dire, non? Petite étape de réunion. Ouais. On a là le séjour qui est juste magnifique. Avec la vue, on a une bonne vue sur, sur la ville, hein. On a une vue sur la Maisbank ou pas? Attends, je crois pas. Je vais regarder. Ah si, vue sur la Maisbank! Ah ouais, magnifique. Ouais. Magnifique. Franchement, l'appartement, il est très très beau. Il n'y a rien à dire. Donc le petit salon, on peut faire quoi d'autre? On peut fumer comme dans l'autre. La télé, c'est pas du tout la même. Ah non, écran Ah ouais. placement La non. télé, rien à voir. Ensuite, on a quoi d'autre? On peut boire du whisky aussi. Ah ouais, on a plein de choix. On a whisky, on a coca, on a vin. Plein d'alcool, hein. C'est déjà pas mal. Mais on n'a pas de bière apparemment. Ils nous ont enlevé les bières. Ensuite, on a un étage en dessous. Attends, viens voir. C'est les chambres, tu penses? Ah, il y a trois étages! Ah ouais. Ah ouais, c'est une ville à trois Ça étages. rigole pas, hein. Je vais voir en bas. Magnifique. Ah oui, hein. On a la petite cuisine. Ah Oh oui. ouais, la salle. Viens voir la salle de bain. Oh, J'arrive. je vous jure que je découvre en même temps que vous. J'ai jamais acheté cette maison de toute ma vie. C'est trop beau. Je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche. Je pue. Allez, je prends une petite douche. Voilà, hop, un peu de savon. Bon, par contre, ne me regarde pas sous la douche, toi. Non, je suis pas là. Voilà, petite douche tranquillement. À base de tranquillade. Non, c'est stylé. Déjà, on peut se doucher, alors que dans l'autre, on peut même pas se doucher. T'imagines? Mais ouais, bah en même temps, c'est pas Il y a mieux le la maison. bain. Voilà. La petite Ah fontaine aussi, ouais, magnifique. en bas, il y a une petite salle. Ah, bah, me dis pas, me spoil pas, me spoil pas, j'arrive. Le petit Vas-y, lit, bon, viens. forcément, qui a rien à voir avec l'autre. Petit dressing. Magnifique. Franchement, je kiffe faire des vidéos comme ça parce que c'est stylé en fait. Et de comparer les trucs. Et franchement, c'est agréable. On a encore une petite C'est vraiment fontaine qui fait. stylé. Ah, la fontaine en fait. La fontaine elle fait tout l'appartement, je crois. Tout l'étage. Waouh. Alors, ici, on a un petit endroit tranquille, cosy avec une petite bibliothèque. Et enfin. Oh! La Une salle espace de. trop Le bureau, stylé. j'ai envie de dire, le bureau. Ouais. Le bureau. Franchement. Franchement, pour 800 000, c'est bien. Comparé à celle à 130 000, je préfère vous économiser dans une maison comme ça qu'une villa à 130 000 dégueulasse, comme on l'a vu, qui ressemble exactement au même truc qu'un appartement à 80 000. Très Ouais. beau, très très beau. Voilà, donc c'est là où on fait les braquages. D'ailleurs, les DLC braquages, les gars, jeudi, c'est ça? Ouais, Jeudi, jeudi. DLC braquage, les gars. On va braquer le casino avec la salle. Ça va être beau. En tout cas, voilà. On se laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était comparaison de la villa la plus chère contre la villa la moins chère de GTA V. On se laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Je vous le répète. Mais voilà, ça fait plaisir. À vous abonner sur Instagram parce que bientôt il va y avoir un concours sur Instagram. Je ne vous spoil pas. Il y a une vidéo qui va arriver samedi prochain. Samedi prochain aussi, il va y avoir pas mal de choses. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses. On se laisse là-dessus et moi je vous dis bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.